cette fois-ci, la Claude m'a fait découvrir un sport ce mois-ci. Quel sport? Vous savez lequel? Non, justement, c'est pas marqué sur ma fiche. Eh bien, c'est la gym suédoise. Sport que je n'avais jamais pratiqué. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Pas du tout. Non, du tout. Vraiment? Pas de nom uniquement, mais... Parce que c'est quand même un, ouais, pas un sport extraordinaire non plus, mais bon. C'est assez physique, je vous propose de regarder les images. Claude, qu'est-ce qu'on fait? J'espère que tu as une bonne raison de me faire lever un bon matin le samedi. On va aller à la gym suédoise. C'est super ça Claude, mais qu'est-ce que c'est? Oh, t'as l'air. Je t'avoue, non mais laisse-moi t'avouer que je ne connais pas du tout ce sport. From the inside. Écoute Claude, ça commence à me saouler, on est en retard. Tu prévois toujours mal les trucs? Non, ça c'est une énorme blague, c'est toi qui as mis par temps récupérer tes baskets. Du malaise en bas, appelé côté roulette. Tu veux être malaise avec Claude? Écoute, ton regard suspicieux sur mon collant de sport là Claude. Je t'ai vu le regard en coin. Alors, donc là on a un cours de gym suédoise. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Oui, alors moi je suis Malika, je suis la présidente de l'association Gym Suédoise à Reims. Il y a plusieurs antennes un peu partout en France et j'ai monté l'association ici. Et là, ce que vous avez là, c'est un cours famille en fait. Parce qu'à Gym Suédoise, on a différentes activités différentes. Enfin, on en a pour les adultes, on a aussi pour les enfants et les parents ensemble. Donc voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer là, ce que vous voyez là. Oh Claude est heureuse, tu vois c'est tu revis. Comme association gym suédoise sur Reims. Enfin, on est à Reims et Tinqueux. Là, notamment, on est à Tinqueux. Et l'objectif, là, c'est que les parents et les enfants puissent passer un moment ensemble, faire du sport ensemble et qu'on ne largue pas juste son gamin pour qu'il fasse une activité. Voilà, c'est pour ceux qui ont envie de partager un moment avec leurs enfants, ça permet d'avoir une petite activité du samedi matin. Ok, super. Et la gym suédoise, vous pouvez nous résumer un peu ce que c'est vraiment? Ok. Donc c'est un concept qui vient de Suède, c'est des Suédois qui l'ont monté, qui l'ont mis en place là-bas en Suède et il y a un couple qui l'a importé en France. Et du coup, alors là ça se voit pas trop, mais le cours normalement se pratique en cercle. Donc vous avez l'animateur au centre du groupe et un cercle tout autour. On n'est pas dans ce rapport frontal qu'on voit en général en fitness, on est vraiment dans la convivialité, en cercle. Voilà, c'est ça déjà la première chose. Et la courbe d'intensité est assez différente. En fait, on va monter tranquillement en échauffement. Ensuite, on va avoir des pics cardio. On va ralentir le rythme cardiaque pour respecter la physiologie du corps humain avant de passer au sol en renforcement musculaire. Et petit à petit, on remonte en cardio. Alors, ta tigeuse, regarde là. Ce sera typiquement la vieille tante avec ses chats quand elle tes gosses à Disney. Enfin, il n'y a pas de rigueur trop? Pas du tout. Mais alors, pour le cours famille, c'est... le cours adulte, c'est exactement la même chose. On est dans un truc sans compète, enfin, personne ne se regarde. Et puis, je pense que le plus, c'est cet aspect convivialité. C'est chaleureux et on ne se prend pas la tête, quoi. C'est... Voilà. C'est pour tout le monde. Cette vibe. Terribilement paga, amiga, maradona, ma pietà. Sì.
courant. Super court. Ah très bon courant. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est bien pour ceux qui n'aiment pas trop le sport, à vrai dire. Non, si, franchement, t'as les exercices à répétition. C'est dur, c'était physique, mais je dis ça parce que c'est plus, ah oui, c'est que plus accessible. On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans... On n'est pas dans le challenge. Surpassement de soi-même, mais... Voilà, donc c'était la gym suédoise. Voilà, on s'est dit, on va changer. Hein. Des fois, c'est un peu un bar, on va vous faire découvrir. Ça part vraiment un peu dans différentes activités possibles. C'est très bien, du coup, t'as fait un peu de sport et tu as été conquise. Et là, c'est le sport. Et j'ai été conquise, tout à fait. Je ne sais pas, Lucas, si ce que t'en as pensé. Je te sens un peu perdu. Ça me donne pas trop envie d'en faire, mais oui, ah, ça... voilà, cool. T'as rien. Non, mais vraiment, bon sport, ça permettait de se dépenser. Tout en passant un bon moment. Bon, c'est assez classique hein, comme résumé, mais c'est vrai. Je suis positive et je suis pour y retourner. Si Claude veut bien de moi, parce que je sais qu'elle a pour habitude d'y aller seule. Bon. Donc ça, c'est un cours que t'as fait à Reims. Tout à fait. Donc on met l'adresse du site web en bas de l'écran. Merci. De rien. Et tu diras merci du coup à Claude qui... Bien sûr qu'il ne peut pas pour des raisons professionnelles. Il n'est pas là.